Et les premières parties, sous vos applaudissements bien entendu pour les encourager avec un excellent départ d'Arthur Ferland qui va sauter la première difficulté en tête avec Jürgen Fer-Trek que l'on les applaudit en deuxième position numéro 3 qui se situe avec Emmanuel Kerbeck en troisième position se rapprochant à son extérieur, c'est le numéro 2, la Quinquinalaz montée par Calix Moisson et c'est pour l'instant Violette Allard qui patiente en queue le petit peloton associé à Vénus de la Millière. Nouvelle difficulté en vue, il va être franchi par Arthur Ferland avec en deuxième position désormais Calix Moisson qui a décidé de ne pas trop laisser chance à son adversaire. En troisième position, patiente pour l'instant avec Irène Fils Tigetbou associée à Mel Le Perlec. Et c'est toujours Violette Allard qui ferme la marche. Nouvelle difficulté en vue, toujours la même en tête. Petite hésitation de Maëlle Kermel avec Yannick Tigetbou, mais pas de changement en ce qui concerne les positions. C'est toujours Arthur Ferland qui mène l'avance avec le numéro 4, Coïen Fer, un triathlon en deuxième position. Quinquinalaz associé à Calix Moisson. On est toujours troisième avec Maëlle Kermel et Yannick Tigetbou. C'est plus compliqué pour Vénus de la Millière désormais. Et Violette Allard qui sont décramponnées à l'entame du dernier tournant, toujours les mêmes en tête, Arthur Ferland et Coïguen Fer-Treacle. C'est la casaque d'Augustin Malamé en deuxième position, toujours Calix Moisson avec le Quinquinalaz. Alors que la ligne droite approche très vite et que Calix Moisson accélère. Avec un final qui s'annonce très disputé avec Arthur Ferland également, qui est toujours là avec également Maël Kalvec. C'est très serré, très serré, on va les applaudir, bien entendu, les encourager.